sur Mulhouse aussi ou... Pas loin. Ouais, pas loin. Alors salut, salut tout le monde, c'est KDFA. C'est pour la KDTV. Et puis là, je suis avec, une charmante demoiselle. Tu vas te présenter, tu vas te dire ouais, comment tu t'appelles? Bah bonjour, je m'appelle Julie Lacour et je suis créatrice de vêtements. Ouais. Donc là il y a mon petit atelier boutique. Ouais, c'est juste ici. Ça s'appelle comment? Sans foi ni loi. Ouais. C'est un rébus. Ouais, sans foi ni loi. Voilà. Ok. Et là on vient de faire un petit défilé, ça a bien marché, c'était cool. C'est comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle l'apéro shopping. Apéro shopping, tous les premiers mardis du mois. Et c'est quoi le principe de l'apéro shopping? Bah, c'est que les gens viennent boire un verre, regarder un défilé, ouais. Et puis après ils peuvent rentrer dans la boutique, faire un peu de shopping s'ils ont envie ou pas. Donc shopping c'est toi et apéro alors c'est quelqu'un d'autre, c'est ça alors? Apéro c'est Karl du passage. C'est Karl du passage. D'accord, et juste pour situer, on est où ici? Parce qu'il y a. À Mulhouse. À Mulhouse. Passage des Augustins, à côté de la place de la Concorde. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais tes petits vêtements là, comme ça, que tu fais ton atelier couture? Un an et demi que j'ai ouvert. Et ouais. Ça fait 2 ans réellement que j'ai démarré, quoi. Ouais. Ah. Non, merci. Non. voilà, quoi. D'accord. Je fais aussi du sur mesure, je fais des robes de mariée. Ouais. Et je fais aussi de la customisation, donc les gens me ramènent des vieux fringues qui veulent D'accord. prolonger la vie de leurs vieilles fringues et moi okay. Je leur redonne une seconde vie quoi, tout en restant D'accord. en accord avec le style de la personne. Ouais, ouais, ouais. Le style de la personne et puis tu raccroches toujours ta petite touche. Ouais, je crois que c'est une petite croix, c'est ça? Enfin, ouais, c'est un truc que je vois, c'est un... Attends, voir. Il est où? Tu vas voir que j'ai oublié de le mettre. Il est là. Ah ouais, il est là, attends. Sur le sac, il doit y être aussi là. Ouais. D'accord. Voilà. Bah c'est cool. Et ça par exemple, c'est un sac qui est fait avec une veste en cuir. En fait, il y a pas mal de récup en fait. Un peu, ouais. Il y a un peu de récup. Il y a quelques trucs et c'est un peu un mélange quoi. D'accord. J'ai pas mal de stocks de l'armée que je customise aussi. Des vestes militaires ou des chemises militaires. Ouais. Des trucs avec. D'accord. Et donc tu fais non seulement donc des fringues et puis tu fais alors en gros des accessoires aussi. Un petit peu, ouais. Un petit peu d'accessoires là, aussi. Les sacs comme ça, ils marchent bien. Donc, ouais. C'est vrai que c'est... Les accessoires, c'est un truc qui marche pas mal. Vu que je fais de la sap, ouais. J'ai jamais fait de la pièce unique, j'ai ouais. pas forcément la bonne taille pour la bonne personne. D'accord. Donc c'est vrai que tout ce qui est accessoires, forcément, c'est pas ça. Mal. J'essaie de ouais. faire des trucs réglables. Oui. Ouais. Et t'es originaire de quoi? De Mulhouse? Strasbourg. Ou de Strasbourg? Mais comment t'es arrivé ici? À cause de mon ex. Ça c'est les mecs ça. Beaucoup, au début je voulais faire une association de nanas qui sont à Mulhouse ouais. parce que de gex qui mec. Sont qui ouais, ouais. à cause d'un mec. D'accord. Et en fait, pour être juste, je crois que c'est pas, enfin, je crois, c'est pas la première fois qu'on se voit tous les deux. Non, et on s'était vu à la route d'Inde, absolument. Ouais, et c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance et j'ai adoré l'esprit. Et c'est pour ça. Alors ça a attisé ma curiosité et je me suis dit il faut que je vois ça. Quoi. Qu'est-ce qu'elle fout elle? Ouais, exact. <Cette folle. rire> et donc ouais non mais c'est cool. Écoute, est-ce que t'as peut-être pour terminer un site internet, ouais. un truc comme ça? En fait, j'ai un blog. Ouais. Un jour, enfin. Ah, t'es une blogueuse alors. Ben, donc t'es comme moi quelque part. Ouais, parce que un site c'est assez ouais. figé et ouais. Là, ben moi toutes les semaines, je mets des actus, ça rend le truc plus vivant quoi. D'accord. Quand il y a des défilés, je mets les nouvelles ça parce que tous les jours, je crée une nouvelle fringue. Du coup, ouais. Voilà. Et donc derrière c'est l'atelier, c'est ça. Hein. C'est, là on voit pas bien, mais ouais, on pourra faire un tour, absolument. J'aimerais bien voir ça un petit peu. Et puis ouais, et donc l'adresse de ton site blog alors. Alors c'est www.sansfoiniloi.com. Ça s'écrit 100-ni-loi.com. Ok. C'est un peu compliqué. Ok. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Bah, je trinque à 100 fois ni loi. Voilà. Cool. Et puis pourvu que ça marche, alors. À donf. Pour l'instant, ça va. Ok, c'est cool. Merci Julie.